Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand moment est là devant nous et la Coupe du Monde aussi est là. Elle a été apportée il y a quelques minutes par la mannequin Pelika Padukone et le grand Iker Casillas. Elle est là, cette Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde, c'est immense déjà, mais une finale avec l'espoir que l'équipe de France puisse accrocher sur son maillot bleu une troisième étoile. C'est encore plus grand, Bichente. On a tout dit sur ce France-Argentine. Parti ! 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs. La petite pichenette et la première prise de balle du golo. Et arrêter de le rendre comme vient de le faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe. Frappe, mais finalement il va siffler. Bah, il s'était poussé par Upamecano et derrière il y a le compte. Deux face à Kylian, la petite passe intérieure vers Rabiot. Oh, ça n'a pas déclenché derrière, petite mésentente là avec Olivier Giroud, mais c'était le premier mouvement français. Oh, Messi qui ne peut pas frapper et du pied droit. Au premier poteau, c'est le second qui est choisi. Il est monté haut et il a commis. Angel Di Maria encore une fois face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné. Attention la faute. Attention la faute. Et pénalty pour l'Argentine. 21e minute de cette finale. Monsieur Marcillac n'a pas hésité un seul instant. Voilà, Ousmane Dembélé, là il s'est fait. Game accordé à la Ligue Céleste depuis le début de la compétition. Aïe, et ça passe. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le sixième but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir si cette équipe de France. La France n'a jamais. Avec l'arbitre polonais, Enzo Fernandez au sol. Non, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche. Attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. Éclair et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0 Angel Di Maria. Voilà, on a été complètement pris par cet attaque rapide. N'importe qui. Entrée de Marcus Thuram. Sous les yeux de son papa. C'est le bon moment. C'est le trait. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France jouait réellement une finale de Coupe du Monde. A été vécu par les Bleus. Allez, à l'opposé, la reprise. Il est dessous. C'est parti avec Griezmann. Extraordinaire pour l'instant et qu'il a vraiment un joueur de volume, de récupération, de harcèlement. C'est aussi un beau joueur. Et on est dans la phase de réparation. Oh, Di Maria. Ça avait été laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rater. C'est McAllister, poussé ou pas, non? Commun, hein, McAllister est pour l'instant gagnant avec André Di Maria. De Griezmann qui passe. C'est parti avec Antoine Griezmann. Il est Argentine. Premier contre favorable. Magnifique, il a cette finale, il avait été. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Passarella. Allez, Otamendi, passé devant. Et il y a faute. Pénalty. Allez, 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme, peut-être. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation. Et c'est tout le banc qui s'est levé. Comme un seul. Voilà, il est récupéré. Kylian Mbappé, Kylian exceptionnel. Kylian Mbappé, 82e minute, cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. Il faut s'arrêter maintenant. Tout est relancé. Mais oui, il ne faut pas s'arrêter maintenant. Centre de Mbappé, Il reste une éternité. Le visage d'Angel Di Maria. Oui. Oh, Marcus Thuram ! Non ! Il ne dit rien, monsieur ! Monsieur Marcillac ! C'est bien, c'est lui qui vient de percuter. C'est magnifiquement. Oh, le papa Lilian. Oh, Youri Tchourkaev. Il a l'espace. Oh, ça a été détourné, corner. Là, c'est toute la différence. À nouveau, Kingsley Coman. Jouer avec Alaminga. Oh, il l'avait relâché, ce ballon. Considérez que c'est la passe de genou. Il y a le feu, on a les jambes. Pas maintenant ! Il y aura corner. Allez, la contre-attaque. Oh non. Il va prendre un carton. Il est là sous vos yeux. Tous les règnes, il y avait le traîneau, il y avait les cadeaux. Un doublé, ils ne sont que 7 dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué les doublés en finale
Mais jusqu'ici, Vicente, il n'était que 4 à avoir marqué dans deux finales différentes. Que 4. Vava allait défendre sur Acuña. Bon, aïe. En oui tacle. Upamecano est derrière la tête de Varane. Quel tacle de Dayot. C'est important, mais ça c'est comme un but. Aïe. Lautaro Martinez. Elle a été déviée, ou pas? Non, il va falloir trouver le deuxième, le troisième, le quatrième souffle maintenant pour le dernier quart d'heure et éviter cette séance de tir au but. Et il est en train de prendre Marcus Thuram. Il est en train de prendre une soufflante, Marcus Thuram. Voilà, il s'est couché, pas de faute. Non. Monsieur Marcignac n'interviendra pas là-dessus. Il va faire son entrée en jeu. Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention, les Argentins, ils sont trois dans la surface de réparation. Loris, c'est validé. Il y a un moment donné, j'ai vu l'arbitre de touche lever son bras, c'est validé. Ça, en tout cas, il est rentré, on l'a vu. À 12 minutes, à 12 minutes. Il est cuit, complet. Il est pas au bord, il est passé trois fois. Changement. Il est sortir de ça. Il reste. Carton pour Paredes. Et qui a été contré. Penalty. Il a sifflé penalty. Évidemment. Carton jaune, Montiel. Il n'est pas marqué. Responsabilité. Il va la prendre, évidemment. Et quoi qu'il arrive, relancer encore une fois. Le triplé, Kylian Mbappé. Le triplé. Tire au but, mais il va rester du temps. Et il est là, le frère de Kylian. Et l'entrée de Paulo Dybala. C'est pas le tir. Tacle-moi ça. Ouais. Allez. Lautaro Martinez à l'autre bout, le centre. Mais quel combat. Un bon centre. Oui. Plus que ça. Allez. Ça sera une touille. Enfin, c'est fini. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins, bravo aux Bleus d'être revenus de nulle part, d'être revenus deux fois de nulle part. Voilà, dernière accolade pleine de respect entre. Allez, jamais 203. Kylian, pour lancer idéalement cette 103. Ils ont envoyé le lourd d'entrée des deux côtés. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est, Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Il était pas. Harry Kane. Oh là là. Plein milieu, il est parti de son côté gauche là, Hugo. Allez Aurélien. Oh là là. Aïe. Face à Hugo Lloris. Il le touche. Le Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Gagné. C'est très bien là, ce qu'a fait monsieur l'arbitre là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe sinon. Oui. Sinon l'Argentine est championne du monde, pas encore. Défenseur de Séville. Et ça passe. Et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine championne du monde pour la troisième fois dans son histoire. Et les pleurs sont partout. Les pleurs sont bleus de France. De la tristesse et de l'exploit qui se refuse au dernier moment. Mais les plis sont bleu ciel et blanc. Finale de la Coupe du Monde, mais c'est admirable parce que ses coéquipiers à venir les. On n'est jamais. Bravo Léo Messi. Il est là, le meilleur. Les voilà les médaillés d'argent. Les voilà les finalistes.